Pendant que je priais, Dieu m'a montré ta grossesse. Et tu as accouché, frère, tu m'en mets difficilement. Mais l'enfant est devenu mauvais. On est l'enfant qui grandit ça, ils sont couchés. On fouille. On s'écoute. Mais tu dois accoucher. Tu vas se faire. Tu es calé. Je pars. Tu pars. Que je libère ce bébé. Au nom de Jésus. Je libère sa grossesse. Je libère sa grossesse. La puissance. Qui est dans le nom de Jésus. Je dis la puissance de Jésus. Jésus est à l'œuvre. C'est pas l'occasion pour serrer. Voilà, papa, ça fait deux jours. De là, on m'a fait même pas plus. C'est une dame. Et le vrai bébé, ils l'ont mis ça dans le vent d'une gazelle. Moi, je lui gourmet. Je ne peux pas pleurer. Je suis en train de donner une révélation pour te délivrer. Encore, vous savez, là, oui. Or, voici pourquoi je ne donne pas les révélations. Il faut la suite de la révélation. Et la première fille, non. Je n'ai pas oublié. Tu pleures. Or, je ne donne pas les révélations pour te faire pleurer. On a encore un cas de Oh, la Bible, la fin de choses, vous n'avez que son commencement. La fin de choses, vous n'avez que son commencement. Non, écoutez. Dieu n'est pas donné les révélations de votre vie en lui envoyant sa parole. Ok, parole. Il est délivré. N'a pas de grosse à vous donner. Tu sais, il y a un travail qui est en train de se faire dans l'esprit de Dieu. Mais non, elle est où aujourd'hui? Un, deux, d'ici 3 jours, il est temps. Le bébé va arriver. Joli. La semaine d'ici, tu vas faire ton bébé et tu vas le consacrer. D'accord, oui, oui. Parole de prophète. Un, non. Deux, non. Trois, quatre. Le début va revenir. Yo, on y est. Hein? On y est. Jamais. Amen. Jésus est puissant. Amen.
Ici, nous devons consacrer le bébé. Est-ce que Jésus n'est pas merveilleux? Vous cherchez quoi là-bas? Vous cherchez quoi là-bas? Ils vont manger cola, ensemble. Vous buvez ça. Médicament bizarre, nasigi. Vous l'avez ça, vous sentez des cacaora. Jésus est trop merveilleux. Je dis les mamous. Réponds. C'est dit qu'on a fini le samedi. Oui. Matin. Oui. À 22h. À 22h. À la maison. À la maison. Elle a accouché à la maison. Même pas ici. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle, ouais. Elle dit vraiment, son pas. Quand tu fais mal, il dit non. Quand tu t'insiste, il va aller faire le docteur. Elle dit non, d'arrêter. Il dit moi, je vais partir parce qu'il sait que le Dieu va faire des miracles pour moi. Okay. Donc, elle dit. Elle a fait combien de mois de grossesse? En tout cas, elle peut pas, c'était 10 mois. Et le moment qu'on connaissait réellement le mois passé, on ne comprenait plus rien. Donc, on s'attendait par l'échographie maintenant. Ouais. Maintenant, c'était quand le bébé, c'était bizarre, la grossesse. Parce qu'on ne comprenait plus rien. C'était bizarre, là, papa. La grossesse, moi, parce que moi, je ne voyais pas l'enfant bouger. Je n'ai pas vu chez les femmes enceintes. Vous avez l'impression que l'enfant bouge. Quand vient chez la grossesse, on a l'impression que l'enfant ne bougeait pas. Y a aussi que la boue. Et elle devait mettre un mongolien. On avait encore un enfant bizarre. Moi, j'ai vu une visite, j'ai vu que Dieu ouvrait les yeux, voyait l'enfant. Et puis le miracle. Ici à Zaroko, vous avez tout vu. Vous avez vu fou, vous avez le fou. Il n'y a pas de miracle, mais pas vu. Amen. C'est ça que vous devez vous convertir. Alléluia. Amen. On dit voici les signes qui ont accompagné ceux qui. Voici les signes. Alléluia. À mon nom, vous avez les mains aux malades. Vous avez les mains aux malades. Moi, je crois trop à la puissance de Jésus. Je crois à la puissance de l'humanité. Et c'est pour ça que ce matin, vous les femmes qui n'avez pas procréé, vous allez avoir des enfants. Amen. 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 Vous n'acclamez pas avec joie. Tu veux, tu ne peux pas, le miracle est là. Où? Le miracle est là. Je suis content pour vous. Hein. Et moi, non, moi, j'étais très convaincu. Je vais rattraper le bébé ce matin. J'étais très convaincu de ce miracle. À point que j'attendais, mais j'attendais la nouvelle. Nous avons aussi l'occasion de vous présenter mon tout dernier album. Le titre de l'album, c'est Enfin délivré. Nous avons fait son DVD. Selon différents clips, des morceaux phares. Les CD sont à 3000. Voilà. C'est à 3000 francs. Les CD sont partis, je crois que cette nuit sur la France. Et c'est aussi, les CD seront distribués aussi en Italie. Voilà, l'Italie et puis la France. France et l'Italie. On aura l'occasion, je crois que demain, avec le service de communication, vous donner les contacts. Voilà, pour nous, c'est la mesure qui détruit les œuvres de la sorcellerie. J'ai pratiquement 11 ans de carrière musicale. C'est vrai que vous ne le savez pas. Moi, mon premier album est sorti sur le marché ivoirien en 2004. Voilà, mon premier album est sorti en 2004. Nous sommes entrés dans une maison de distribution appelée Tropie Musique. Tropie Musique, voilà, maintenant Tropie Musique est devenu aujourd'hui Musique Plus. Donc c'est toujours dans la même maison. Ça s'est passé.
Donc le premier album c'était Repentance. Et je suis pratiquement aujourd'hui à mon cinquième album. Voici le quatrième. Le quatrième album, c'est Prière prophétique. Beaucoup de personnes ont déjà expérimenté ça. Je suis aussi en train de préparer encore un tout dernier. Les prières prophétiques. Il y a des gens qui ont expérimenté la chose. En jouant, ça c'est des prières. Je suis là, je parle, je prie. Et déjà, ça a eu beaucoup de parties des maisons. Quand les gens jouent ça dans les maisons, il y a des servants qui ont eu des problèmes de délivrance. Elles sont à terre. Voilà, donc la prière prophétique. Voilà, ça fait 3000. Les CD font 3000 francs. Voilà, donc je suis en même temps chante. C'est vrai que je suis. Et les gens pensent que c'est maintenant que j'ai commencé à chanter. Je suis auteur-compositeur. Et ils vont en devenir. Je compose beaucoup de chants. Les derniers, évidemment. Heureusement, je ne sais pas si malheureusement, il y a des gens qui prennent ça. Quoi, qui font de ça, le truc. Sinon, je compose des chants. Les derniers. Je compose des chants. Aujourd'hui, officiellement, l'œuvre a sorti le CD. Les gens réclament le CD. Ils ont décidé de distribuer. Parce qu'au départ, on a confié une maison de distribution. Depuis, le résultat était négatif. Ils nous ont volé de l'argent. C'est un gros sou. Voilà. Et puis, c'est de l'argent qu'on va en studio pour la production. C'est de l'argent. On finit en studio, il faut faire la promotion. Et donc, les gens ont plus de gros sous. Nous avons décidé nous-mêmes de distribuer notre argent. Même si c'est passé dans une maison de distribution, c'est nous qui avons le droit de distribuer la distribution. Donc, voilà, c'est nous qui distribuons. C'est CD. Justement, pour nous aider à faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est important. Il est maintenant pour nous faire avancer pour l'œuvre de Dieu. Ils ont tenu ce ministère. Ils sont allés de l'avant. Amen. Alléluia. Donc, si tu veux un miracle, il faut acheter le CD. Dis Amen. On dit même pas Amen. Amen. Vous avez plein de CD bizarre. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Si vous jouez ça dans votre maison, ça serait plus intéressant. Je pense que la personne est malade. Tous les matins, jouez ça. Tous les matins, jouez ça. Tous les matins, jouez ça. Ça libère l'atmosphère. Parce que j'ai pris des jours. 21 jours. Avant de rentrer en studio. Et quand je suis rentré en studio, j'ai commencé par. J'ai fait la prise de voir. Je me suis préparé. Et ce CD est beaucoup intéressant. Pour ceux qui ont vécu, pour ceux qui ont vécu.